Bonjour à tous, top, te barre pas, scroll pas si vite, reste un petit coup, tu vas voir, tu vas sourire et puis ça va faire réfléchir, tu vas voir, gentiment, sans crise de nerfs au cerveau. Vous avez tous pu voir dernièrement dans notre pays le foudroiement de la bien-pensance pour quelques mots sortis de leur contexte prononcés par un certain Grégoire de Fournasse. Député, Rassemblement National, de Gironde. Vous avez tous pu voir cette bien-pensance s'offusquer, se choquer, pleurer, faire des mimiques, des chouineries, des pleurnicheries. On a même vu Alexis Corbière de la France Insoumise lors de l'interview de son collègue de l'Assemblée qui avait été interrompu par ce fameux député RN, pleurer carrément à la télé. Moi, je voudrais vous faire réfléchir un petit truc. Ce pays, la France, qui se targue de faire la leçon de morale, hein, à Vladimir Poutine, par exemple, qu'est-ce que pourrait bien penser ce pays, la Russie, la Fédération de Russie, d'un pays rempli de fragiles, bien-pensants, faisant les choquer pour quelques petits mots sortis hors contexte, mais quelques petits mots de rien du tout? Qu'est-ce que peut bien penser la Russie de ce pays qui est la France, qui veut lui faire des leçons de morale, lui tirer l'oreille, lui disant « c'est pas bien Poutine ce que tu fais » en regardant ce peuple, cette assemblée nationale française remplie de fiottes et de collabos, de soumis à la bien-pensance, parce qu'il y a eu aussi des Républicains et de la Macronie qui ont, avec la France Insoumise et la NUPES, appelé à la sanction de ce député Rassemblement National. Qu'est-ce que la Russie peut bien penser? Qu'est-ce que les alliés de la Russie, la Chine, l'Inde, etc., hein, les BRICS, qu'est-ce qu'ils peuvent bien penser de ce gouvernement de baltringue? Et toi, si t'es de gauche et de France Insoumise, ferme bien ta bouche, rentre dans ton trou à rat de larve larmoyante, hein, et arrête d'essayer de donner la leçon aux autres sur les réseaux sociaux. Tu contribues à faire passer la France pour un pays de gens foutre, de larves et de couilles molles. Arrête de nous insulter, de contribuer à nous insulter. Faites tourner, les patriotes. Faites tourner cette vidéo. Faut se moquer de cette bêtise, mais faire aussi réfléchir les Français qu'on a marre de se faire insulter par ce gouvernement et cette Assemblée nationale non représentative. Imposture démocratique s'il en est. Bonne journée à tous.